Bonjour, Eric Gibou, RGO.com. Aujourd'hui, je suis dans la ville de Metz, en Lorraine, donc, pour te présenter le nouvel OM, système OM5. Et donc, je vais rentrer dans les détails, t'expliquer un petit peu ce qu'il propose. T'explique aussi pourquoi cette vignette qui dit « je ne m'attendais pas à ça ». Et voilà, donc, on va en parler. Alors, important, mes vidéos en français sont sponsorisées par Arvia, écolephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Et là, je t'explique tout ça en fin de vidéo, mais je t'indique déjà 2-3 petits trucs importants. Les infos pour les contacter, c'est en description, le téléphone est gratuit, fais-le de ma part, parce que tu reçois un appui pédagogique avec un super bouquin photo. Autre chose, si tu vas partir bientôt à la retraite, ben, n'oublie pas de t'inscrire avant de partir, parce que ça passe par CPF, donc la formation peut être gratuite, mais une fois à la retraite, tu n'as plus le droit au CPF. Par contre, tu peux faire une formation auquel tu étais inscrite avant de partir. Donc voilà, n'oublie pas, ne laisse pas ça pour une fois à la retraite, inscris-toi avant de partir, après tu as tout le temps que tu veux pour te former une fois à la retraite. Voilà, donc on démarre. Et je vais te parler de ça. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, ben, un super merci à OM System Europe qui m'a envoyé directement l'appareil photo. Bon, quelquefois, vaut mieux parler directement avec les gens d'en haut qui comprennent un peu tes besoins, tes possibilités de présentation. Et ben, je les remercie infiniment d'avoir reçu cet appareil photo avant la publication, l'annonce, et donc pouvoir l'essayer et préparer cette vidéo. Donc, ben, mille merci à eux, voilà, au directeur de marketing pour l'Europe. Voilà. La majorité des présentations d'appareils photo parlent de tout ce qui est positif et quelquefois laissent le négatif pour la fin. Quelquefois ils ne parlent pas du négatif, mais quelquefois ils laissent en général pour la fin. Bon, on va faire le contraire. On va commencer par le négatif. Parce que c'est sûrement ce que tu vas entendre sur les réseaux sociaux, voir sur les chaînes YouTube et tout ça. Donc je préfère commencer par ça. Et comme ça, on sera débarrassé de l'histoire. Bon, moi quand j'ai reçu le paquet, j'ai ouvert et ma première réaction ça a été « Ah, ils sont trompés, ils m'ont envoyé l'ancien modèle ». C'était ma première réaction sincère. Et après, j'ai dit, ah ben non, là, ça marque OM System et là, ça marque OM5. J'ai dit, il doit y avoir des différences. Mais non, c'est exactement le même boîtier. Mais là, pour première fois, l'appareil a le mot OM System et là, OM5. Le dernier appareil qui avait marqué Olympus, c'était le OM1, comme un hommage au premier OM1 qui était argentique. Donc, ils avaient laissé Olympus et le OM1 par là. Et donc là, ils ont marqué OM System et OM5. Alors la question c'est, c'est le même boîtier, c'est exactement le même, ne joue pas au jeu des 7 erreurs hein, ou 7 différences, parce qu'il n'y a pas de 7 différences à l'extérieur. Donc pourquoi ont-ils sorti ce nouveau boîtier? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dedans? Eh bien c'est ce qu'on va voir, pourquoi ben, finalement ils ont quand même changé pas mal de trucs à l'intérieur. Donc continuons. Alors, j'ai eu une réunion en visio avec le directeur de marketing. Il m'a aussi envoyé un PDF pour avoir un petit peu les informations. Parce que là, je ne peux pas rentrer sur le site web en disant « Bon, quelles sont les spécificités, les caractéristiques de l'appareil ?» Puisque ce n'est pas encore public. Ok, donc il m'a envoyé les caractéristiques pour pouvoir voir. Et je leur ai demandé « Alors, quelle est la philosophie de cet appareil? Quelle est votre idée ?» Parce qu'évidemment, moi, je vais donner mon point de vue. Mais il faut qu'un petit peu qu'ils me racontent pour qui c'est, quelle est leur idée. Quoi. Parce que c'est quand même ceux qui vendent un appareil, c'est quand même eux. Donc, ils font une étude de marché où ils voient une cible et tout ça. Donc, la réponse, elle était assez simple en fait. La réponse, c'est ça, c'est l'appareil photo que tout le monde veut emporter partout. Alors, effectivement, énormément de gens me demandent « Eric, je vais partir en voyage, quel appareil tu me recommandes, qui soit facile, qui ne prenne pas trop de place, qui ne soit pas trop lourd, mais j'ai une certaine qualité optique, que ça soit interchangeable les optiques si possible, ou un zoom, un truc comme ça, ça ne tienne pas dans la poche, mais pratiquement, voilà, donc ça ne soit pas un truc encombrant, ni en poids, ni en taille. » Et, eh bien, moi, je me suis dit « Bon, ben là, je suis… Et donc, des objectifs recommandés, style, là, ils m'ont envoyé que le 12-45 f4. J'ai aussi essayé avec mon 8-25 f4, que bientôt je présenterai sur ma chaîne, mais je l'avais avec moi, donc j'ai aussi essayé avec. Et j'ai dit, bon, on va voir si cette philosophie est vraie. Je vais faire un tour dans la ville, comme si j'étais en vacances. J'y suis pas, malheureusement, mais et faire un tour et voir vraiment ce qu'il se passe quand on est en voyage, on fait des photos par-ci, par-là, et voilà. Alors, pendant cette semaine, j'ai essayé d'autres appareils photo plus gros, plus grand, du full frame, de la PSC, du plus grand. Et là, je dois dire, on ne va pas parler encore de la qualité d'image, ok? On va parler de l'utilisation. Sans aucun doute, cet appareil photo avec ce genre d'optique, c'est la réponse. C'est la réponse au truc pratique que tu emmènes partout sans t'inquiéter. Autre chose, puisque beaucoup de gens critiquent le micro 4 tiers en disant qu'en basse lumière, c'est pas bon,
J'aurais pu ne pas me mettre dans des situations compliquées, mais ça aurait pas été juste vis-à-vis des autres appareils photo que j'ai testés, hein, dans des situations de nuit. Et puis j'ai dit, on va voir ce qu'elle a dans le vide, on va voir ce qu'il a dans le vide, ce petit appareil. Donc j'ai fait de la même manière des photos de nuit, des photos d'intérieur et tout ça, pour que tu puisses voir les résultats. Bon, enfin, j'ai déjà commencé à te passer les photos, je t'en passe en détail. Mais voilà, donc on va voir si cet appareil, ce qu'il y a de nouveau, ce qui n'est pas de nouveau, ce que j'aurais aimé que ça soit mieux ou pas, et voir les résultats et t'expliquer cette philosophie. Voilà, donc maintenant on va parler un petit peu de caractéristiques techniques et on continue. Alors un truc important, je pense qu'il y a une expression espagnole qui dit « les comparaisons sont odieuses ». Et je crois que c'est vrai. Donc il y a certains qui passeront peut-être toute leur présentation à parler de l'ancien modèle comparé avec celui-ci. Je pense que ça n'a aucun sens. D'abord parce que la tranquillité de tout le monde, c'est que le OM5 Mark III était déjà un super appareil photo. Donc là, il va être égal ou mieux. J'espère que égal complètement non, parce que sinon ça ne sert à rien de changer de nouveau modèle. D'autres vont penser que c'est simplement un changement de nom, parce que maintenant c'est OM System, OMD, Digital Solutions propriétaire, donc il y a bien un moment où il faut enlever le mot Olympus et en avoir que OM System. Mais non, c'est pas seulement un changement de nom. Donc on va voir les spécifications techniques et je vais te raconter un petit peu mon expérience. Et je pense que si son prédécesseur était encore super en 2022, imagine celui-ci. Voilà, donc continuons. Alors je pourrais faire une visite physique de l'appareil, mais ça n'a aucun sens puisque c'est exactement le même boîtier que l'OM5 Mark III. Donc je laisse le lien ici de quand j'ai fait le test d'OM5 Mark III et voilà. Mais par contre, je vais dire ce qui ne me plaît pas de celui-ci. Pourtant c'est le même et l'autre te plaisait. Oui, mais on en est en 2022. Alors il y a un truc que je ne comprends pas. D'abord, moi je pense qu'ils auraient pu faire un petit changement esthétique, peut-être au niveau du grip, un petit truc pour marquer un petit peu cette nouvelle identité OM System. Faire une modification sur le boîtier, je pense que ça aurait été utile. Deuxièmement, je ne comprends pas pourquoi ici j'ai un micro USB qui était déjà présent sur le modèle précédent, mais là je pense que vu que la loi est passée en Europe, que bientôt ça va être obligatoire les USB-C, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été changé. Troisièmement, moi ce que j'adore du OM1, c'est qu'il y a un nouveau système de menu, parce que sur les Olympus de toujours en numérique, c'était une catastrophe, à mon avis, c'était compliqué. Et là, on continue avec les anciens menus. Donc, je ne comprends absolument pas pourquoi ils n'ont pas profité de ça pour changer le système de menu et mettre le nouveau look qui est beaucoup plus pratique. Okay, donc, voilà, ça, c'est les derniers points négatifs que je voulais dire. Et maintenant, on va partir sur les performances et raconter un petit peu mon expérience, mon utilisation. Encore plus avancé que quand j'avais utilisé les tests des OM5 Mark III, puisque j'étais pas dans une ville inconnue, dans les classes, j'ai vraiment fait une balade d'inconnu, de touriste, Bon, je pense qu'en 2022, tu sauras déjà, tu auras eu le temps d'apprendre, de savoir que OM System, c'est un format micro 4 tiers. Alors, c'est un capteur de 20 millions de pixels avec le moteur, le processeur TruePix 9. Alors, je pense pas que ça soit le même capteur que l'OM1. Bah, je suis sûr que c'est pas le même capteur. Je pense que c'est le même que sur l'antérieur, le précédent, l'appareil précédent. Alors, il va dire « Ah, c'est le même, ils n'ont pas changé !» Bon, on va se calmer. Si on voit que Fujifilm GFX 50 millions de pixels, c'est le même depuis 6 ans, et sur Hasselblad X1D, c'est le même depuis 6 ans, bon, c'est pas un drame que ce soit le même capteur du moment que le reste fait mieux son boulot. Voilà. Alors, il y a d'autres appareils photo sur le marché de marques concurrentes qui parlent, qu'il faut un truc pour emmener partout, faire du voyage, quand tu vas au boulot en marchant et tout ça. Ça, c'est pas un truc unique, cette philosophie. Par contre, ça, je dirais, c'est le seul appareil qui offre autant de performances d'appareils photo bien supérieurs sur un truc comme ça. Voilà, donc quand tu regardes, par exemple, il est protégé pluie, poussière, c'est un IP53, tu peux l'utiliser jusqu'à 10 degrés négatifs, moins 10 degrés Celsius. Déjà, ça te place un petit peu la philosophie. Après, il y a un stabilisateur, mais bonjour le stabilisateur. Alors ça, ils l'ont amélioré. C'est encore mieux que sur le 5. Alors, après, moi, quand je parle du stabilisateur d'Olympus, ou moins de OM System, on a l'impression que je suis un fanboy. Je suis désolé. Je vais te montrer, là, on parle de 7,5 stops. T'as l'impression que l'appareil est sur un rail, que c'est un gimbal. Enfin, tu juges par toi-même, je te montre. Alors, essai de l'appareil à hauteur de la ceinture. Je marche doucement quand je fais avec tous les appareils. La voix, c'est ce que tu entends depuis l'appareil photo, les micros de l'appareil photo. Il y a du bruit parce qu'il y a des voitures, mais voilà. Donc, c'est ce que j'obtiens.
Alors, beaucoup de gens ont du mal à comprendre quand ils voient un appareil photo comme ça que ce n'est pas un jouet. Voilà. À l'intérieur, il y a des trucs que normalement tu ne trouves pas sur cette gamme d'appareils photo. Tu trouves ça sur des gammes bien supérieures. Donc avant de rentrer dans les détails de ce qu'on appelle la photographie computationnelle, un truc tout bête, la vitesse d'obturation. En mécanique, c'est 1/8000ème de seconde. Sur ce genre d'appareil, l'habituel chez les concurrents, c'est 1/4000ème de seconde par exemple. Voilà, alors on parle de 1/8000ème en mécanique. En électronique, 1/32000. 1/32000ème. Ça veut dire qu'en fait, tu te rends compte que ça ne va pas être un frein à l'utiliser. Même un professionnel dans son activité peut utiliser ce genre d'appareil parfaitement. Donc tu vois que la philosophie, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Alors c'est facile qu'on te dise oh, l'appareil photo tu peux le mettre n'importe où, toute situation, protégé, pluie, poussière, tout ça. Ouais, mais il faut un bon nettoyage de capteur. Bon, OM System, donc déjà avec Olympus c'était un truc incroyable. Moi mes deux OM5 Mark II, en 7 ans je n'ai jamais eu besoin de nettoyer le capteur. Donc c'est à dire si à un moment tu vas changer l'objectif et tu as un risque de poussière qui rentre, eh ben, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc c'est facile de dire qu'on peut le mettre n'importe où, mais il faut aussi le prouver. Donc là on est une fois de plus sur ce point là devant un truc costaud. Alors ben, pour transporter ça un peu partout, il faut que ça prenne pas trop de place, que ça soit pas trop lourd. 414 grammes le boîtier, la taille 12,5 cm, 8,5 je crois de hauteur, un truc comme ça. Bon, enfin bon, tu vois, c'est pas grand. Ceux qui ont des grandes mains, ben, peut-être que c'est un problème, enfin je crois pas. Hein. Celui qui cherche ce genre d'appareil, ben, il aime la philosophie, donc je pense que c'est ok. Quoi. On peut pas tout avoir. Petit peu encombrant, léger et avoir des mains énormes autour. Enfin moi, voilà, tu vois, je crois que c'est un truc idéal pour emmener partout. Alors certains vont dire, ouais, mais 20 millions de pixels, c'est peu, machin, ceci, cela. Bon, allez, relaxons-nous. Il y a un truc qui s'appelle la haute résolution sur ces appareils qui profite du fait que le capteur est monté dans l'air, je dirais, qu'il peut se déplacer. Ça fait 8 photos en déplaçant d'un demi pixel. Et à main levée, tu peux faire une photo de 50 millions de pixels, ok ? À main levée. Si tu le mets sur trépied, tu as encore plus de possibilités de haute résolution. Donc là, il n'y a plus d'excuses de dire bah ouais, j'avais besoin d'une plus grande résolution, je ne l'ai pas, ben voilà, tu l'as. Donc, mais à main levée, 50 millions de pixels, ça souffle un peu quand même. Hein. C'est bon, hein. Voilà. Bon, quand on parle d'appareils pour emmener un peu partout, bah de nos jours, bah, on ne peut plus parler seulement de photos, on doit parler aussi de vidéos. Et donc là, il y a les gens qui voyagent, les gens qui travaillent en voyageant, des gens qui voyagent parce que c'est leur travail, mais ils veulent aussi documenter en photo et en vidéo. Alors, on va commencer par un truc par la fin. Et il propose cette possibilité, tu te connectes avec ton app directement de gestion, de monter directement des vidéos en vertical sur tes stories, aussi bien Instagram que les autres. Donc ça, c'est une super nouvelle pour ceux, bah, les vlogueurs, les youtubeurs, tout ce qui termine en heure, mais je n'ai pas dit emmerdeur, hein, ok, tous ces gens qui font en vertical. Donc il y a cette possibilité. Alors retournons sur le classique, la vidéo classique. Bon, en 4K, ça fait 30, 25 et 24 images secondes. En Full HD, ça fait 60, 50, 30, 25 et 24 images secondes, plus la caméra lente en 120 et en 100 images secondes. Ça inclut aussi le log OM Log 400 pour un profil plus plat pour faire la colorimétrie en post-production. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Messieurs qui veulent être prêts avec son appareil ou madame qui veut être prêt avec son appareil un peu partout, tu branches directement cet appareil sur ton port USB de ton ordinateur et ça fait webcam directement sans aucune complication. Donc je pense que ouais, côté vidéo, c'est un super package aussi. Alors c'est quoi ces fameux trucs computationnels, photographie computationnelle? Ben moi je vais t'en parler, déjà je t'avance un petit peu avec la haute résolution, mais il y a plus de choses. Imagine, tu es en train de te promener là, et puis je voudrais qu'il y ait un petit peu, il n'y a pas de vaguelettes là, mais imagine qu'il y a des petites vaguelettes, faire une longue exposition, où il y a une chute d'eau, ben, je te montre un exemple là, et je veux faire comme si c'était une pause longue. Mais j'ai ni trépied, ni filtre ND, eh bien il y a le Live ND qui te permet de simuler un effet de pause longue. Alors attention, ça ne coupe pas la lumière, hein. Simplement ça te fait la simulation. Il faudra peut-être quand même que tu fermes le diaphragme ou peut-être un jour ben, couper la lumière s'il y a vraiment trop de lumière, ok. Mais tu peux faire l'équivalent d'un effet comme si c'était un ND16, donc 4 stops, et tu vois l'exemple, eh ben, tu vois le jet d'eau là, ben, il est tout adouci, hein, comme si c'était de la pause longue, et ça c'est à main levée, hein. C'est quand même costaud comme truc, hein. Alors, tu as aussi ce qu'on appelle le Live Composite, qui est la fonction qui a fait que je suis passé chez Olympus à une époque, qui m'a vraiment convaincu. C'est un système qui fait que ça empile des photos et ça conserve ce qui n'a pas bougé et ça change, ça ajoute ce qui change. Par exemple, imagine, je fais cette photo là avec un ciel étoilé.
Eh bien, la première prise de vue, ça va me conserver toute la ville, ok? Et après, ça va ajouter la rotation de la Terre. Et donc, on verra la trace des étoiles. Bon, là, c'est tout nuageux, hein, je ne vais pas te le montrer. Mais ce n'est pas seulement pour la nuit. Hein, tu peux l'utiliser pareil pour une fontaine, une cascade. Tu peux l'utiliser pour des photos de produits que tu peins à la lumière ou le light painting et tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment super pratique et ça a des résultats qui sont exceptionnels. Après, il y a les différents modes bulbes, le Lifetime, le Life Bulb, qui sont aussi des systèmes de pose longue, un peu spéciaux, qui sont vraiment fantastiques aussi. Et puis après, tu as le Pro Capture. C'est quoi ça? Imagine, je fais une photo d'action, il y a un oiseau qui va décoller là, je commence à faire des photos. D'ailleurs, tiens, voilà, je t'en montre, des pigeons qui démarrent. Mais quand j'appuie à mi-gaz, ça commence déjà à faire les photos. Et quand j'appuie complètement, ça finit la rafale jusqu'à 30 images secondes. Donc, c'est impossible de louper le moment exact de ce que tu voulais faire. Voilà. Donc, tu vois déjà, c'est tout bête, mais ça, c'est pas des trucs que tu trouves dans n'importe quel appareil photo. Et ça va faire que tu as vraiment aucune limite à ta créativité ou aux outils dont tu peux avoir besoin. Voilà. Parlons de l'autofocus. Alors, c'est détection de phase. Ça a 121 points. Et dans toutes les situations, il a marché. Je crois qu'il est meilleur qu'avant. Hein. Peu de lumière, contre-jour, tout ça, j'ai eu aucun problème. Et il y a aussi une fonction qui va plaire énormément à ceux qui font de la photo d'étoiles. Alors j'ai ma moustache qui tombe vers l'avant, là, on va la redresser un petit peu. Il y a une fonction qui va plaire à ceux qui font de la photo des étoiles, puisqu'il y a le Starry Sky qui te permet de faire la mise au point sur les étoiles. Donc ça, c'est vraiment un truc indispensable quand on fait de la photo de ciel, la nuit, oui, la nuit pour les étoiles. Donc voilà, donc sincèrement, je crois que l'autofocus, ouais, j'ai l'impression qu'il va mieux quand même. Hein. Il était déjà pas mal sur ce modèle, mais là, je crois qu'il a l'air encore meilleur. Vraiment super. Alors, attaquons le point le plus critiqué du micro 4 tiers, le plus critiqué par ceux qui n'ont pas l'air de vraiment connaître le micro 4 tiers. La basse lumière, donc les ISO. Beaucoup de gens disent tout de suite, ouais, mais les ISO, si tu montes, t'as du bruit. Effectivement, si tu montes, tu as du bruit. Alors, un truc important, en micro 4 tiers, il ne faut jamais sous-exposer. Hein. Il faut toujours un léger surexposé ou exposition exacte, parce que comme trois quarts des photos, c'est quand tu vas éclaircir la photo en post-production que le bruit va rentrer. Voilà, donc ne sous-expose pas. Alors, pourquoi ça ne pose pas un problème? Parce qu'en fait, une chose, c'est la théorie et un autre truc, c'est la pratique. Si moi, je vais faire une photo, pour moi, la profondeur de champ est importante. Si c'est en basse lumière, on a tendance à ouvrir complètement l'objectif. Alors imagine quelqu'un qui a un full frame, il ne va pas se mettre à 2.8 parce que la profondeur de champ va être très courte, donc il sera probablement à f4. Voilà. Mais à f4, il a la même profondeur de champ qu'un micro 4 tiers à f2. Mais le micro 4 tiers a 4 fois plus de lumière, donc il n'a pas besoin de monter autant les ISO. Résultat, eh bien, il se retrouve à se concurrencer, un est peut-être à 25 000 ISO et l'autre est peut-être à 3200 par exemple, tu vois. Donc 25 000, il faut que je compte, 6400, ou il est à 12 000, l'autre il est à 3200. Voilà, donc ça va vraiment te permettre de ne pas te mettre dans des histoires compliquées. Et si en plus, c'est pas une photo d'action, le stabilisateur est tel que tu peux vraiment descendre la vitesse. Il y a des gens qui font des photos jusqu'à 1 seconde, 3 secondes à main levée. Moi, je n'ai pas de problème. 1 seconde, c'est un peu risqué. Mais un quart de seconde sans problème. Un 15e, là, je suis tranquille. Donc là, j'ai pu faire des photos de nuit sans aucun problème. Alors, les ISO en natif vont depuis 200 jusqu'à 6400. Et après, ils peuvent être forcés à 64, à 100, à 12800 et à 25600. Bon, sincèrement, je pense que jusqu'à 3200, il n'y a pas besoin de nettoyage. À partir de là, 6400, il faut faire un peu de nettoyage. 12000, ça se complique un peu quand même. Hein. Plutôt beaucoup, ok. Mais avec un truc comme le Pure Raw, quand il sera pour cette version d'appareil, enfin, j'ai essayé sur d'autres, il n'y aura pas de problème. Voilà. Mais voilà, donc je pense que les ISO, contrairement à ce qu'on raconte toujours, je continue à dire que le micro 4 tiers n'est pas un problème en basse lumière. La preuve, regarde les photos que j'ai fait. J'ai fait les mêmes choses qu'avec des autres appareils de gamme supérieure et beaucoup plus cher. Et j'ai pas eu de problème de photos nocturnes. Voilà. Bon, conclusion. Moi, j'ai une double conclusion. Une conclusion sur cet appareil lui-même. Est-ce que cet appareil vaut le coup? La réponse, elle est simple. Oui. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas vraiment nouveau, certains trucs et tout. Je dis, ouais, mais attends.
Tu crois qu'il y a 4 ans, ils éclairaient cette église ou ce temple d'une manière différente qu'aujourd'hui? Donc, si son prédécesseur pouvait faire la photo il y a 4 ans, bah, évidemment, il n'y a rien à changer. La photo est pareille. Donc, il y a des trucs qu'il n'y a absolument pas besoin d'échanger parce que c'est déjà OK. Donc, forcer pour ajouter, bah, ça n'a pas trop de sens. Je trouve qu'ils ont amélioré certains points. L'autofocus me semble meilleur, la stabilisation est meilleure. Plusieurs points dont j'ai parlé, je pense que oui, quand on parle de cet appareil, c'est un appareil qui est complètement recommandable. Si je recommandais il y a 3 jours son prédécesseur, il est évident que celui-ci, ben, il est aussi recommandable. Alors bien, si tu as un OMD EM5 Mark III, est-ce que ça vaut le coup d'en changer? Ben, à mon avis, non. Pourquoi? Ben, parce que c'est la même chose, quelques petits trucs un peu meilleurs, mais bon, c'est pas waouh. Si tu as un OMD EM5 Mark II, est-ce que ça vaut le coup d'en changer? Ben, moi, je pense que oui, parce que tu as vraiment un plus. Le Live ND, le fait de pouvoir faire la haute résolution à main levée et tout ça, ça, c'est vraiment un plus. Donc, je pense que oui, ça peut être intéressant. Celui qui se sentait limité, hein, s'il n'était pas limité, ben, pas besoin, mais s'il se sentait limité, ben, moi, je pense que c'est un plus. Voilà. Donc, de ce côté, si on parle de l'appareil, je pense que c'est un appareil qui est effectivement complètement recommandable. Alors bien, je pense quand même, j'espère que par firmware, ils vont actualiser les menus et que bientôt, ben, ils mettront un USB-C parce que ça, c'est un truc qui me semblait important. Alors moi, je suis un peu déçu, c'est vrai, au niveau de la forme. J'aurais aimé qu'il y ait une autre forme, un petit peu, une nouvelle identité un petit peu. Mais bon, c'est ce qu'il y a. Mais l'important, ça reste quand même l'intérieur. Okay. Alors maintenant, je vais parler d'un autre côté, le côté stratégie. Mais moi, je pense que OM System, là, a fait une erreur. Il a fait une erreur parce que c'est très dur pour eux de ne pas s'en prendre plein la tête parce qu'il y a des gros intérêts économiques à ce que le micro 4 tiers n'avance pas de la part d'autres marques. Et je pense qu'il était important d'avoir des changements un peu plus importants pour justement faire taire ceux qui vont dire « Ouais, mais c'est le même boîtier, ils sont en train de finir les stocks, machin, ceci, blablabla, les histoires de toujours. » Et là, je pense que là, ils se sont trompés. Ils auraient dû mettre l'USB-C, les nouveaux menus, une petite forme un peu différente, 2-3 trucs qui fassent fermer, il n'y a pas d'autre mot, les grandes gueules. Voilà. Donc, l'appareil, bah, c'est un appareil qui est super, mais je pense qu'au niveau stratégique, là, ils auraient pu faire mieux. Ils auraient dû faire mieux pour vraiment imposer OM System comme on continue, on est bien là, on a des innovations. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà. Donc, merci beaucoup à OM System Europe. Merci Marc de m'avoir envoyé l'appareil photo pour l'essayer avant que ça sorte sur le marché. J'en suis vraiment reconnaissant. Et voilà, donc merci. Donc n'oublions pas notre sponsor, Arvia, écoledephotographie.com, qui te permet de te former à distance à la photographie. Alors c'est par internet, mais il y a quand même des exercices physiques à faire, des pratiques, pas seulement de la théorie. Et c'est des profs qui sont diplômés en photographie. Alors avec l'humilité, hein, la moustache, ça se barre. Hein, voilà. Donc c'est des profs qui sont diplômés en photographie qui vont te corriger, hein, qui vont t'expliquer ce qu'il faut faire et tout ça. Alors il y a 4 types de... Chou! Je me suis fait attaquer par une carpe. Non mais vous avez vu là? Ah non, c'était pas une carpe, c'était l'autre oiseau là. Trop fort, je pensais que c'était une carpe. Non, non. J'ai la phobie des oiseaux. Bon, continuons avec Arvia. Merci monsieur Arvia. Là vous avez du direct pratiquement là. Alors, où j'en étais? Alors ouais, donc 4 types de formation qui durent entre 8 et 12 mois selon ce que tu choisis, depuis amateur averti jusqu'à professionnel avec un bac pro. Et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Bon, il y en a qui passent 8, il y en a qui passent 15, ça dépend de ton niveau, du temps que tu y passes, que tu as envie d'y passer plus de temps. Donc, c'est compatible avec ton travail. D'ailleurs, heureusement, parce que tu peux te former par le système CPF, ce qui fait que la formation est gratuite. Et d'ailleurs, si tu vas partir à la retraite, n'oublie pas de t'inscrire avant de partir. Parce que le CPF, c'est quand tu es actif. Une fois que tu es à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire. Par contre, tu peux t'inscrire avant de partir et faire la formation une fois à la retraite. Okay, donc, mais n'oublie pas ça. Alors, quand je parle de Arvia, je dis toujours un petit truc, photo. Eh bien, moi, je te dirais que le petit truc, ça serait ça. En relation normalement avec ce que j'ai présenté, ben, si tu regardes un appareil photo comme ça, n'oublie pas de bien choisir les objectifs. Parce que souvent, les gens, ils partent en voyage avec l'idée d'un truc léger, pas utile, pratique. Et ils embarquent plein d'objectifs et ça fait plein de poids. Donc, n'oublie pas de bien penser quels sont les objectifs dont tu aurais besoin. Essaie de minimaliser la quantité de matos que tu emmènes avec toi. Voilà. Donc, ben merci Arvia. N'oublie pas de les contacter de ma part, car tu reçois en appui pédagogique un super bouquin photo, d'ailleurs qu'ils doivent m'envoyer pour que je le montre. Voilà. Et aussi, bon, le téléphone est gratos.
appelle-les, ils préfèrent que ce soit un coup de téléphone, comme c'est de répondre à toutes tes questions directement. Il y a de toute façon le email et le lien du site en description. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ben voilà, ben, merci à eux, contacte-les. Ça coûte rien de contacter, hein. Le téléphone est gratuit, envoyer un email c'est gratuit, ça permet de t'informer, planifier un petit peu ta formation. Voilà, donc merci beaucoup Arvia, mille merci à OM System Europe de me l'avoir envoyé, merci Marc, et merci beaucoup à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français, mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo. D'ailleurs, si tu achètes chez eux, c'est pas obligé, mais c'est vraiment sympa de marquer là, tu vois, code créateur, ça marque Gibo, ça file une petite aide. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et Flash Westcott. Et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!
Thank you.